Bonjour. Vous avez un nouveau message. Salut Julien, c'est maman. C'est maman. C'est maman. Salut ma beauté, c'est maman. Oui, bonjour ma grenouille. Salut ma petite chérie. Bah, c'était papa, maman. Oui, mon fils. C'est maman. Donc voilà. Reçu vendredi 13 à 19h08. C'est pour te donner une bonne nouvelle, j'ai mon micro, mais si tu savais le délire que ça a été. Parce que ce matin, je regardais la pub de Lidl. Il y a un cuir riz à 15,99€. Chez Darty, ils m'ont dit qu'il était à la poste depuis le 6. Et j'ai commencé à passer des commandes. Donc pour ta chambre, j'ai plein de choses. J'ai ton lit, les rideaux, les lampes, le fauteuil et la housse de couette aussi. Pour l'actu, le sport et la météo, c'est en 5. Coucou mon Juju, je t'envoie des grosses vagues de persidons. Vraiment, on a eu une journée idyllique. Et maman, bah, je voulais dire que ça allait bien, qu'il vient là un tout petit peu chaud, mais que ça va bien. On a des trompes d'eau en ce moment. Bah, ici, il y a du soleil, mais c'est vrai qu'il ne fait pas très chaud, donc prévois des vêtements, quand même des petites laines. Et... Pour réécouter le message, faites-le 1. J'ai mis de la Javel sur la cour, donc entre le portail rue et la porte de garage. En fait, on aurait besoin de savoir combien de fils et de quelle couleur ils sont se branchent à partir de ta cuisinière. Mais l'idéal, ce serait que tu ne repasses pas dans la maison parce que peut-être tes pieds, ils seront humides de Javel. Voilà. Maman sera à la maison à 16h. Maman, elle sera à la maison à partir de 16h. Pour obtenir de l'aide, faites le 0. Oui, ma chérie, écoute, j'ennuyais parce que Joachim, il s'est fait piquer par un moustique. Donc il a des boutons, voilà. Le voyage était un peu épique parce qu'on était à peine parti qu'il a vomi. Bon, j'ai désinfecté, mis machin, mais bon, donc il faudra bien le soigner, évidemment, évidemment. Et puis là, en sortant de l'autoroute, sur la route de Châles, il a revomi un petit peu. Mais là, je prends un bateau en bois, barbe noire. Je me demandais si je le prendrais pour Joachim. Je ne sais pas si ça l'intéresse. On va aller prendre une douche et mettre le pyjama. Parce que tu sens un peu le vomi, hein. Pour envoyer une copie du message vers une autre messagerie vocale, faites le 6. C'est pour vous dire que lundi, j'ai droit à une coloscopie d'enfer. Bon, c'est pas que ça m'amuse. Je voulais juste te dire que j'ai les résultats de la biopsie. C'est bon, hein. C'est bénin. Ne me rappelle pas, je vais me faire enlever une dent, là. Donc, je vais être muette. Là, j'ai pris un aspirine. J'espère que ça va aller mieux. Et puis, prends bien soin de toi. Moi, j'ai fait ma dernière infiltration aujourd'hui. Puis... Je voulais un petit peu savoir avec quelle heure tu pensais venir. Alors, Martine et Jean-Louis viennent de partir. J'avais fait une rouelle de porc, en entrée un potage de butternut. Donne-moi un ordre d'idée, sinon on se met à table avec papa. Martine m'a amené un bocal de foie gras. Puis demain, je vais à la brocante de Notre-Dame des Sans-Abri. Pour réécouter le message, faites le 1. Pour le sauvegarder, faites le 2. Pour le message supprimé. J'espère que c'est pas eu mon message d'hier et que tu auras celui-là. Je rappellerai plus tard si ça vous dérange pas. Bah écoute, appelle-moi parce qu'à chaque fois que je t'appelle, t'es pas là. Tu réponds plus aux SMS, tu réponds plus aux messages, tu réponds plus au téléphone. Écoute, tu m'envoies un texto quand tu veux. Donc tu m'envoies un texto. Envoie-moi juste un petit texto. Puis c'est parfait. Arte. Voilà, et ben écoute, je t'embrasse de tout mon cœur. Radio. Et puis je vous fais des gros gros bisous. À bientôt, c'était maman. Point. Bisous ma chatte, bisous bisous. Plein de bonnes pensées à vous tous. Au revoir ma puce. Comme. Oh merde, c'était tes parents.